Salut tout le monde, c'est Yann Esther et aujourd'hui quelques minutes freestyle sur un jeu que Fearful m'avait offert en clé Steam avec Battlefield 3 et aussi d'autres jeux qu'il avait acheté en fait dans un Humble Bundle pour une modique somme de 3€. Il a reçu des clés en double, donc une clé origine et autre, et donc en donnant 3€ à des assos. Et donc aujourd'hui, minute free test sur Mirror Edge, un jeu EA, un jeu DICE, un jeu qui a de la classe et putain l'histoire, je l'ai fini en l'espace de 7h et waouh, les faces totalement what the fuck de ce, je vous recommande, mais bon, on va faire plutôt un contre-amour ou quoi qu'on ait un parcours, bon bien entendu pour le parcours, faut être connecté à internet, on va savoir pourquoi, par contre je n'ai pas le droit aux autres maps, peut-être parce qu'il faut pour débloquer pâter un temps de qualification sur un terrain pour débloquer. Ok, donc pour ces minutes freestyle, on va faire quelques contre la montre. Tiens, pourquoi pas, on va faire des contre la montre, des contre la montre de parcours, car c'est ça en fait le but de Mirror Edge. C'est de faire des parcours tout en du mode histoire, tout en évitant les flics, parce que oui, en fait, si vous voulez l'histoire, je vous spoil juste le début. On est dans une ville totalement corrompue. Enfin, corrompue, c'est-à-dire c'est une ville où le maire est un dictateur et ne respecte pas donc son état. Et donc il y a des messagers qui font des parcours dans des immeubles, mais vachement haut. Regardez la hauteur quand même des immeubles. C'est juste là. Bon, bien entendu, le parcours, c'est un sport qui existe. J'imagine que beaucoup le font seulement dans le sol et tout ça. Mais je me pose d'ailleurs la question, est-ce que ceux qui pratiquent le parcours ou bien ceux qui font ce genre de truc de cascade pirouette cacahuète. C'est que j'appelle ça comme ça, pirouette cacahuète. Veuillez m'en excuser. Oh, comment ça j'ai perdu du temps? Bon, c'est n'importe quoi ça. Bon. Bon bah j'ai perdu du temps hein. Faut pas. De toute façon c'est rattrapable. En 2 minutes c'est fait. Ouais. D'ailleurs je connais la map. C'est le truc d'entraînement du début. Donc quand on commence l'histoire on nous demande si on veut faire un tuto. Et donc le tuto bien entendu je l'ai fait pour pouvoir me familiariser. Mais pourquoi je perds du temps? C'est n'importe quoi. Oh damn it. Jamais de la dynamite. Donc là maintenant il faut passer sur le côté. Donc sinon je viens de terminer mon contrat de durée déterminée. Donc alors pour ceux qui suivent bien entendu à mon compte Google+, je viens de le dire justement, je vais donc en profiter de 4 jours de repos pour pouvoir, parce que après je continue les études, deuxième année de BTS, ça oblige, hein, parce que les études ça faut pas non plus déconner avec. Pourquoi je dis ça moi? Je dis vraiment tout et n'importe. Je suis étonné. Bon, je vais peut-être recommencer parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Enfin bref. Donc je disais, j'ai terminé le contrat. Par contre, je sais pas trop. Bon, là je vais en profiter, bien entendu, de 4 jours de repos, comme je l'ai dit, pour pouvoir faire le maximum de vidéos pour pouvoir publier des vidéos, mais aussi m'amuser moi-même directement, enfin pour mon propre plaisir personnel aussi, bien que les vidéos c'est aussi un plaisir personnel, enfin personnel que je partage, c'est un plaisir communautaire. On va dire ça comme ça. Du coup par la suite, bien entendu je vais reprendre les études, et comme je l'ai fait durant mon job d'été, c'est-à-dire je publie une vidéo chaque week-end, je me demande si, alors ça dépendra aussi de mon emploi du temps, si je ne vais pas faire la même chose. Bon, par contre Face, je sais pas ce que tu fais mais j'ai l'impression que t'es trop lente. Donc on va longer ce mur, j'ai dit on va longer ce mur, voilà, et on va pas regarder en bas parce que ça donne le vertige à certains. Oh mais non, mais je perds du temps, mais c'est n'importe quoi. Regarde, je perds pas de temps. Ouais, boum. Je
perds pas de temps. C'est rattrapable. C'est rattrapable. Ouais, non, c'est pas rattrapable en fait. J'ai raconté des conneries de A à Z, c'est pas rattrapable. Bon. Donc ensuite, il faut que je passe par là. J'arrive plus à me concentrer maintenant. donc voilà, juste par là. Et je vais y arriver, Bah où allez? Vous voyez que j'arrive à rattraper un temps. Comme quoi, c'est pas en étant en retard qu'on va pas se rattraper. Donc enfin bref, vous avez obtenu un des étoiles sur le terrain. Rang général 1. Ok. Vous avez débloqué terrain 2. Et ben je vais voir tout de suite ce terrain 2 ce que ça donne. Hein. Puisque je viens de le débloquer, parce que le jeu, je l'ai fait uniquement le mode histoire, parce que je trouve que c'est vachement important, et punaise, qu'est-ce qu'il est bien fichu. Qu'est-ce que le jeu est vachement bien fait, qu'est-ce que le scénario est vraiment épique. Franchement, c'est un jeu que je vous recommande si vous avez le temps. Bon, bien entendu, certains vont dire « Ouais, mais c'est un vieux jeu qui date de 2000 et quelques. » Bon, enfin, vieux jeu, vous exagérez quand même. J'ai sorti quand même, je ne sais plus quand, mais il est quand même sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un excellent jeu, ça se joue. Et puis, même les jeux rétro qui datent de la NES, on peut encore y jouer. Hein, c'est juste potable. Putain, c'est quoi ce parcours? C'est quoi ce parcours que je viens de débloquer? On me propose des sauts de la vie. Donc je disais aussi, je m'étais pas emballé à un moment, je voulais vous parler de trucs. Donc oui, à propos de mes emplois du temps, je me demande si je vais pas aussi faire comme avant, publier des vidéos chaque week-end, suivant l'emploi du temps. Donc on verra ça peut-être après. Je ne pourrai rien vous confirmer pour l'instant. Oh mais non, j'ai perdu du temps à cause de ça. Voilà. Ensuite, faut que je passe par là. Non. J'ai été con là. Ah, j'ai été con. Je crois que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Du coup, j'ai perdu du temps pour rien. Ouais. C'est sûr que quand on monte dans une plateforme pour retomber, on perd du temps pour rien. Hein. Bon. On va sauter. Donc, pour ces minutes freestyle, comme je l'ai dit. Je redis ça moi. Putain, je suis déconcentré. Ah, je suis totalement déconcentré. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la fatigue parce que j'ai par la suite. Donc, je suis rentré du boulot. Donc c'était hier. Bon, au moment que je filme, c'était hier, c'est-à-dire vendredi soir. Et on m'a tout de suite invité donc pour manger et faire un bowling. Donc je suis rentré extrêmement tard. Donc je suis un petit peu fatigué. Et du coup, je raconte n'importe quoi. Hein. Mais ça, c'est pas la fatigue qui va m'empêcher non plus de faire de vidéos, enfin de faire des vidéos pour plaisir. Hein. Enfin bref. Voilà, donc pour ce qui est ça. Donc sinon, j'ai prévu plein de projets pour... Putain, ce jeu se fout de ma gueule. J'ai parcouru tout ce chemin pour retourner là-bas. Bon, on va recommencer. Jusqu'à ce que j'y arrive. Parce que maintenant j'ai perdu trop de temps. Enfin bref, je disais donc sinon pour sur bande de PGM, j'ai prévu plein de projets. Pas que des minutes freestyle et des trucs. J'ai prévu peut-être des minutes freestyle sur Burnout. Peut-être en multi aussi, tiens, pourquoi pas. Il faudrait que j'essaye de voir ça avec soit un des youtubeurs de la site Game Move. Ou soit avec Fearful pour des minutes freestyle. Vous avez vu que j'ai repris aussi le Big Delir Show qui fait son retour parce que voilà, ça faisait bien un moment que je n'ai plus fait de Big Delir Show. D'ailleurs, ça fait bien un moment que je n'ai plus filmé avec Fearful tout court. Et donc, ça fait extrêmement plaisir que je puisse... que je puisse continuer, donc plutôt reprendre les Big Delir Show. Mais non, j'ai pas perdu de temps, mais n'importe quoi. Donc les Big Delir Show qui reprend, donc en ce moment même, bon, je dis en ce moment même, mais c'est déjà publié sur la chaîne. J'ai pu faire donc un Big Delir Show sur... je peux pas monter. What?
What the fuck is that? Ok. Donc j'ai pu... Je suis con, j'aurais pu prendre l'échelle. Bon, on recommence. Tant que je n'aurais pas battu ce temps. Donc, sinon... comme je le disais... Je voulais dire quoi? Putain, j'oublie tout. Ce jeu me déconcentre. Ah. Bon. C'est pas si grave que ça. Bon. Puisque je n'arrive pas à me concentrer en pleine partie, pour vous dire des choses très importantes liées à la chaîne. D'ailleurs, je compte même faire une deuxième saison de Hardcore Mania. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'était une série que j'avais fait sur Minecraft. Donc, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, j'avais fait sur Minecraft, qui consiste à faire le mode hardcore de Minecraft. C'est-à-dire d'essayer d'aller le plus loin possible dans le mode hardcore de Minecraft, c'est-à-dire le mode hardcore, le mode où on meurt qu'une seule fois. Et voilà, j'ai perdu du temps. Pourquoi je perds du temps? Allez savoir, les développeurs sont des sadiques. Enfin bref, je pense peut-être reprendre, commencer une deuxième saison de Hardcore Mania avec une nouvelle seed. Parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de Minecraft, si ce n'est que les chroniques de Shockyland, et encore Shockyland avance à petits pas. Là, je suis en train de faire ville par ville, et je pense que le prochain épisode de Shockyland sera seulement sur Rock City une fois qu'il sera terminé. Peut-être que je vous montrerai une nouvelle ville sur le prochain épisode, mais on verra. Pour l'instant, Shockyland est toujours en train d'être construit. Putain, ce jeu se fout de ma gueule. Oh non, c'est électrique! Attention, danger! Eh bah, je suis mort. Voilà, mais je fais comment pour sortir, moi? Voilà, je passe par là. Ensuite, je passe par là. Ensuite, je passe par... Oh merde. Non, mais c'est le truc qui te fait ralentir, ça! Les pas de côté, ça te fait extrêmement ralentir. Enfin, bref... Bon, je ne suis pas très farmé en construire la monde. Bon, en même temps, j'ai pas eu le jeu il y a longtemps. J'ai terminé le mode histoire en 7 heures. C'est pas un exploit, d'après ce qu'on m'a dit. Putain, merde, je suis paumé. Bon. Bon, bah, voilà, plein de choses. Juste un minute freestyle, juste pour vous parler de la chaîne. Des projets à venir sur la chaîne. Et aussi, juste pour vous dire comme quoi tout va bien. Trop lent, mais oui, je suis trop lent, j'essaie de 39 secondes. Enfin, bref, sinon je compte peut-être faire une vidéo sur Burnout Paradise. Putain, j'ai kiffé, j'ai à peine installé le jeu. J'entends la musique du menu. Juste épique, putain, je pense peut-être faire une vidéo dessus. Bon, voilà pour ce qui est des minutes trop freestyle. Où normalement je devrais normalement parler de ce que j'ai fait dans ce jeu. Enfin, disons que ce jeu, c'est juste un jeu à essayer. C'est un très bon jeu. Bon allez, je vais pas quitter là. On va faire une autre course. Une autre course contre la montre. Ce jeu, je vous le recommande. C'est Mirror Edge. C'est de EA. C'est développé par DICE, les créateurs de Battlefield. J'ai pas choisi le même terrain qu'avant. Ah, j'ai choisi le même terrain qu'avant. Ah, fuck. Ah non, quoique. Ah non, c'est pas le même. Je l'ai pas pris. Pourquoi il m'a mis... Oh, mais non. Bon, on va essayer. Allez, c'est parti. Donc voilà, minute freestyle sur tu contre la montre de Mirror Edge. Et là j'ai perdu 2 secondes parce que j'ai pas regardé le avomark préparté. Donc juste pour vous dire comme quoi tout se passe bien sur la chaîne. D'ailleurs je suis heureux D'ailleurs je vous dis même bienvenue aux nouveaux abonnés qui, parce que oui il y a il y a un certain nombre d'abonnés, bon ça vient petit à petit, mais il y en a qui viennent à peine de découvrir la chaîne, et ben je leur dis bienvenue tout simplement. Et je suis pas en train de me paumer par hasard. Bon, on va encore recommencer. Donc c'est parti, prêt,
Go, Power Rangers. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils veulent me faire passer là-dessus pour ensuite... Allez ici! Voilà, allez savoir pourquoi. Moi, j'en sais rien. Et en plus, je gagne du temps. Comment ça, je meurs? Mais n'importe quoi! Ah, peut-être que je devrais passer par là. Alors oui, les morts sont aussi pénalisantes dans ce jeu. Ça, c'est le grand inconvénient de ce jeu, je trouve. Ils auraient pas dû pénaliser les morts, justement. Ça aurait été plus logique. Ils auraient pu, justement, mettre les secondes à partir de là où on avait atterri. Donc, enfin, là où ils sont censés spawner, mettre les secondes où on est apparu la première fois dans cet endroit. Voilà, bon bah sinon je vous laisse sur ce pendant que je fasse ma partie, donc pendant que j'essaie de laminer mon score. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à continuer à aimer les vidéos, donc à vous abonner aussi à la chaîne, les nouveaux abonnés. Alors, enfin, enfin bref, certains m'ont peut-être compris ou pas. Je dis parfois n'importe quoi parce que c'est minute freestyle, hein, c'est de la détente. C'est le but des minutes freestyle pour ceux qui viennent à peine de débarquer sur la chaîne. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Je suis conscient qu'il y a beaucoup qui débarquent à peine sur ma chaîne. Oh mais je suis en train de galérer. Je pensais que j'allais gagner. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais, je vous laisse sur ce magnifique vidéo, mais franchement c'est vachement balèze, c'est vachement haut. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des types qui font ça pour de vrai, ça s'appelle des parcours. Bon, bien entendu, c'est des parcours, eux, ils les font sur le sol, c'est-à-dire ils font pas en l'air, mais je me pose toujours la question, est-ce que les parcours se font toujours en l'air? Est-ce qu'ils se font, il y en a qui font ça dans les gratte-ciel? Parce que je me suis dit, parce qu'en voyant ça, je me suis dit, putain, mais les mecs, vous êtes dangereux, quoi. Vous savez que vous pouvez mourir, donnez. Je vais donner un exemple, un parcours raté. Ouais, splash. Voilà. Donc sur ce, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM.